terroir, écologie, gourmandise et bonnes adresses, bienvenue dans Épicerie Fine. Cette fois-ci, nous partons en Auvergne, dans les paysages grandioses du Cézallier, et on se retrouve ensuite pour cuisiner. Cette semaine, dans le Cézallier, nous rejoindrons Sébastien Palu, producteur de Saint-Nectaire dans ses alpages. Puis ce sera au tour de Michel Bafoual de nous emmener cueillir de la gentiane. Histoire de sera dédiée aux milliards de cerises. Nous retrouverons ensuite le conservateur de la réserve des Seignes de Gaudivelle. On terminera avec le guide hédoniste et bien sûr la recette de Guy Martin, velouté de lentilles, escalope de foie gras poêlé. Et on commence tout de suite par itinéraire paysan. À l'est de la plaine de la Limagne s'étendent les terres du Cézallier, au cœur du Massif central. Les paysages de ce terroir sont caractérisés par de vastes plateaux que viennent ponctuer des reliefs doux et arrondis. C'est dans ce décor montagneux que Michel Bafoual vient récolter la gentiane, tandis que Sébastien Palu produit du Saint-Nectaire à proximité d'Anza-le-Luguet. Après avoir travaillé 8 ans dans le transport, Sébastien Palu a décidé de reprendre la ferme du Maquis Relais dans sa famille depuis maintenant 6 générations. Sur les 165 hectares de l'exploitation, 90 appartiennent en réalité au village. Mais en tant qu'éleveur local, Sébastien peut profiter de ce que l'on appelle les sectionaux, moyennant un faible loyer. On est sur le site du village de Vinhaut, là, les parcelles de la section de Vinhaut. Alors on est 3 exploitants sur la parcelle de Vinhaut. Alors, il y a la dame qui habite à Vinhaut qui est sur la partie la plus basse là-bas, moi qui suis au milieu, et le voisin qui est au-dessus. L'activité pastorale sur le Cézallier, c'est l'origine même du Cézallier. Ça a été défriché par des moines, et il n'y avait que des bois et des taillis dans le temps. Ils ont pu exploiter ces terrains en faisant des pâtures, et le biais de faire pâturer nos animaux sur ces estives là, va entretenir et tenir le paysage ouvert. Le jour où il n'y a plus d'animaux qui viendront pâturer là, et bien ça va être les friches, ça va gagner partout. Du coup, là, on est là aujourd'hui avec nos animaux, mais on entretient notre territoire. Grâce à cette aire d'altitude dite d'estive, Sébastien élève 80 animaux, dont une quarantaine de génisses, voués à renouveler le troupeau constitué principalement des races montbéliardes et brunes des Alpes. Donc voilà, nos génisses, on vient les voir, pas tous les jours, mais tous les deux jours. Alors du coup, on essaye de passer un peu de temps avec, parce que sinon elles passent toute la journée toutes seules. Et pour les habituer à l'homme et à notre présence, c'est qu'elles soient bien dociles. Et bon, on les caresse un peu, on les gratte, on regarde si tout va bien. Alors, il peut y avoir un souci de pâte, elle peut boiter d'un pied ou n'importe, et là, ça va vraiment l'handicaper pour les manger. Et puis voilà, si toutefois elle avait quelque chose, elle sait nous le montrer quand même, par rapport à son attitude générale. Le lien avec les animaux, on l'a depuis qu'on est né, là-dedans. Depuis notre plus jeune âge, on faisait têter les petits veaux parce que c'était pas dangereux pour qu'on puisse le faire. Ça a commencé là, et puis c'est ce qui nous fait vivre, quoi. Si tout passe par nos animaux, c'est notre gagne-pain. Si on n'avait pas nos vaches, on n'aurait pas de fromage, on n'aurait rien à vendre. Ici, voilà, tout est axé sur le cheptel et le troupeau, quoi. On peut avoir un tracteur neuf, c'est pas ce qui va nous faire donner du lait. Pour produire du Saint-Nectaire, les vaches viennent paître pendant au moins 160 jours par an dans ces prairies entièrement naturelles. Voilà, arrivé en fin de saison, et bien les vaches vont finir de brouter un peu la verdure qui reste, là, au pied, là. Et après, tout ce qui est jaune, tout ça, là, c'est de l'herbe fanée. Elles vont le laisser, ça va protéger la prairie tout l'hiver, mais elles ne vont pas le manger parce que ça n'a aucune valeur nutritive. On n'aura pas une prairie qui va fournir quantitativement beaucoup de marchandises, mais par contre, au niveau qualité, c'est là qu'on va trouver la meilleure herbe. Sur certains pâturages d'estive, jusqu'à 70 espèces de plantes ont été comptabilisées. Cette diversité floristique donnait tout son caractère et son parfum. La traite des 40 vaches laitières déjà rentrées à l'étable en cette fin de saison a lieu 2 fois par jour et demande une attention toute particulière. L'histoire, c'est qu'on travaille avec du lait cru, c'est ça le truc. Donc notre lait va subir aucun traitement thermique. Du coup, ça permet aussi au lait de s'exprimer complètement, quoi. Il n'y a pas de flore extérieure que celle du lait et de la mamelle propre qui vient s'introduire lors de la traite. L'appellation d'origine contrôlée Saint-Nectaire impose également que le lait soit transformé directement après la traite. Sébastien en présure ainsi le lait qui va cailler pendant environ 30 minutes. C'est lors de la coupe, appelée décaillage, que s'exprime tout le savoir-faire du fromager. Donc le fait d'aller tout doucement et de travailler notre lait lentement, ça va faire qu'on va garder le maximum de notre matière utile du lait. Hop, on voit la taille du grain. En gros, entre un grain de blé et un grain de maïs, on peut dire qu'on a réussi.
Les grains de caillé vont ensuite être moulés et l'excédent de lactosérum extrait sous l'œil vigilant de Sébastien afin d'obtenir des produits réguliers en taille et en poids. Après avoir été salés, les 5 nectaires enveloppés sont pressés pendant 24 heures. Environ 12 litres de lait auront été ainsi nécessaires pour obtenir un fromage d'un kilo et demi. Du fait de travailler en lait cru, le fromager, oui, il a toute sa place. La machine ne remplacera jamais le fromager. Le lait cru, il va être différent à chaque traite presque. Le matin, on va avoir des laits moins gras, le soir, des laits plus gras. Et c'est l'œil et la main, quand le fromager va mettre sa main dans le caillé ou dans le lait, qui va s'en rendre compte, quoi. Et chaque jour, c'est différent. On ne peut pas tabler sur une recette unique toute l'année. Tandis que les fromages de Sébastien évoluent au fil des saisons, Michel Bafoual tire également profit des terres d'altitude et de leur richesse floristique qu'elles transforment à Saint-Aliérès-Montagne. Depuis 4 ans maintenant, Michel et son mari Christian se sont lancés dans la transformation de la grande gentiane. Ils commencent donc par récolter la plante qui pousse naturellement dans ces pâturages d'estive que Michel appelle une montagne. Où c'est que tu veux aller, Christian ? Je regarde comment elles sont faites à la base. Peut-être celle-là. Ah ! J'ai choisi celle-ci parce que je vois qu'il y a beaucoup de feuilles encore ici. Là. Donc les racines viennent jusqu'ici, elles sont ici à la tige. Ça recouvre une bonne petite surface. Donc c'est qu'elle est pas mal étalée. Je pense qu'elle doit être un peu conséquente. On va bien voir. Récoltée depuis des siècles, la grande gentiane est reconnue depuis l'Antiquité pour ses vertus médicinales, en tant que tonifiant digestif, antioxydant ou bien pour lutter contre la fièvre. Cette plante qui peut vivre 50 ans et ne fleurit qu'au bout d'une dizaine d'années ne se retrouve que dans les prairies naturelles entre 800 et 1300 mètres d'altitude. Elle symbolise l'Auvergne, elle symbolise la montagne. Voilà, dans beaucoup de fermes, tout le monde a sa petite recette où on fait son petit apéritif de gentiane. Et puis c'est vraiment un produit de terroir et d'un territoire. Bien que la gentiane ait aujourd'hui l'air fanée, c'est à cette époque que Christian récolte les racines profondes à l'aide d'une fourche du diable, un outil ancestral qui ne pèse pas moins de 14 kilos. Oula, celle-là, elle est pas mal. Et c'est cette racine qui contient des amers. Voilà, alors elle est très puissante, les amertumes sont assez puissantes dans la gentiane et c'est ce qu'on recherche. Voilà, c'est pour ça qu'on ramasse la racine au printemps ou à l'automne, quand il y a tous ces composés à l'intérieur. Parce qu'en pleine période estivale, elle fleurit et la racine est épuisée. On est dans une petite production, donc on n'est pas prêt de vider la montagne de ses racines. Allez hop, affairé dans le sac. Affairé dans le sac. Une fois leur récolte achevée, le couple redescend au village voisin pour débuter la transformation des racines. Mais avant toute chose, Christian nettoie la gentiane avec attention pour ôter toute la terre. Michel va alors pouvoir se lancer dans la préparation du parfait de gentiane, un sirop concentré au parfum de la plante. Dans son laboratoire, la productrice commence par trancher la gentiane qui sera séchée avant de macérer 24 heures dans une eau sucrée. Le mélange sera enfin chauffé pour être stérilisé avant d'être mis en bouteille. Voilà, alors là on est dans une étape un peu de finition. Alors ce petit moment, c'est le moment le plus délicat. Et en même temps, le plus important. Et c'est un moment qui m'apaise. Hein. C'est un moment que j'adore. C'est la finalité du produit. C'est le travail qui est mis en bouteille. Je sais que quand la bouteille va s'ouvrir, je sais qu'au bout de ce flacon, il y a des gens qui vont se régaler et qui vont avoir un petit peu du césalier dans leur assiette. Ce sirop original et authentique pourra être utilisé pour les amers puissants qu'il renferme, rappelant aussi le goût de la réglisse ou de la badiane. C'est toute la magie de la gentiane, c'est oser les choses, et puis le pouvoir est dans la création. Hein. C'est des nouveaux goûts, et puis c'est toujours des produits naturels, et dedans il n'y a pas d'additifs, pas de conservateurs et pas de colorants. Ça c'est important. À quelques kilomètres de là, Sébastien Palu veille lui aussi à respecter les traditions du Césalier. Pour affiner ses fromages, il fait appel à Léa Guillaume, qui lui rend ainsi visite chaque semaine. Et où les fromages ? Voilà les deux caisses de petits. Ok. Et les grands 5 nectaires dessous. Parfait. Léa récupère les 5 nectaires dits en blanc
et va ensuite les laver, les brosser et les retourner dans ses caves. À partir de 28 jours, ils seront prêts à être vendus et l'affineur redonnera un tiers de ses fromages affinés aux producteurs. La croûte devra alors avoir une couleur oscillant entre le gris, l'orange et le blanc, tandis que son talon devra être bombé pour garantir un fromage souple et crémeux. C'est du savoir-faire, en fait, du début jusqu'à la fin. Enfin, dès la fabrication, en fait, chaque producteur a son savoir-faire. Et nous, on a 11 producteurs et on n'a pas un seul fromage identique alors qu'ils ont le même processus. Non, non, il faut vraiment qu'il y ait un échange parce que le producteur, ce n'est pas forcément ce qui se passe en cave. En fait, si on ne l'appelle pas, il ne peut pas savoir comment évolue son fromage au cours du temps. Allez, on goûte un peu. Allez. C'est parti. Une petite tranche pour les reins. Le crémeux ressort bien. On est sur du bon goût quand même, oui. Alors nous, ils sont affinés en cave naturelle. Ça y joue sur le goût qu'il y a au niveau de la croûte. Et l'intérieur du fromage, ça va être plus la qualité du lait utilisé pour faire les fromages qui vont faire le goût du fromage. Et aujourd'hui, oui, ça fait 6 ans qu'on travaille avec un affineur, mais on voudrait passer le pas de construire une cave pour affiner nos propres fromages qu'on commercialise en direct. Alors on va essayer de se rapprocher au mieux de l'ambiance naturelle des caves qui existaient auparavant. Et on devrait pouvoir y arriver. Grâce à sa cave, Sébastien pourra vendre tous ses fromages directement à la ferme et répondre ainsi à la demande de ses clients. Cela permettra également de créer un emploi supplémentaire sur la ferme qu'il a vu grandir. Le métier d'agriculteur, quand on y est dedans, certes, il y a toutes les contraintes et les difficultés à le faire, mais on est quand même assez attaché au métier, aux animaux, au territoire. Et ça rappelle un peu nos origines, d'où c'est qu'on vient. Et aujourd'hui, on veut perpétuer un peu la tradition qui se fait ici sur ces alliés, quoi, entre le pastoralisme, la production des forages, des fromages, et aussi le fait de vivre sur le territoire, parce qu'il n'y a plus grand monde. Quand il y a des jeunes qui s'installent sur ces alliés, mais que ce soit élus, locaux, habitants, tout le monde est content de voir arriver quelqu'un ici. Pour valoriser ses produits et son terroir, Michèle Bafoil s'est quant à elle associée à l'éleveur et producteur de volailles auvergnat, Jean-Philippe Gomez. En compagnie du botaniste et ami de Michèle, Éric Vallée, ils vont goûter le produit issu de leur rencontre, un foie gras au parfait de gentiane. Ça l'a coloré un peu, tu vois déjà. Ah oui, ça l'a coloré. Alors jusqu'à maintenant, il plaît bien, mais voilà, après tous les... Voilà, alors t'as fait plusieurs essais, je suppose. Là, on a plusieurs essais, pour moi ça va. Mais voilà, ça c'est ton dernier. Je suis pas contre un avis, même négatif, il n'y a pas de souci. Alors, la gentiane, on aime ou on n'aime pas. Mais pour moi, enfin, je me suis lancée dans cette production, j'ai fait comme tout le monde, des tests et tout, et au bout d'un certain temps, oui, pour moi, maintenant, c'est un produit facile à utiliser. La gentiane peut ainsi être utilisée de l'apéritif au dessert. Que ce soit avec des fruits ou des fromages du pays, le parfait de Michèle apporte relief et parfum aux produits de son terroir. Ça fait des bonnes associations, ça. Ouais, très bien. Ben, je suis contente hein, que tu aies fait appel à mon produit pour marier avec le tien. Ça fond dans la bouche. Ah. Et tu vois, le parfait, ça va juste comme il faut. Il est un petit peu doux, mais pas trop amer. Bah, je sais pas s'il faut monter dans l'amertume plus, moi. Pour la terrine, oui, mais pas pour le... Ouais, pour la terrine, peut-être plus, ouais. Mais pas pour le foie gras, oui. D'accord. Mm-hmm. Ouais, que c'est et bon. Et là, il y a le bon dosage. Ouais. Et c'est vraiment un produit original. Hein. Ah oui, c'est vrai que ça sort de l'ordinaire. Les gens, on les invite à essayer, à aller au-devant des gens et leur dire, écoutez, vous avez goûté de ce produit, de ce territoire, qui est le Cézallier. Ben, tout de suite, on le goûte. On a peut-être envie de venir dans le Cézallier, vous rencontrer ces grands espaces. Parce qu'on est d'un territoire et on fabrique des produits de ce territoire. Et ça, c'est important. Grâce à leur travail sur ces terres montagneuses, Sébastien et Michel participent chacun à leur façon à la préservation des traditions et saveurs de ce terroir, tout en veillant à maintenir celles et ceux qui perpétuent ces savoir-faire. Les paysages verts et les troupeaux qui le façonnent continueront ainsi à définir l'identité du Cézallier. Dans Histoire de, découvrez un proche cousin du clafoutis. Connu dans une grande partie de la France sous le nom de clafoutis, ce dessert familial est appelé milliard ou millard sur les terres auvergnates. Apparu au XIXe siècle chez le voisin limousin, le clafoutis tirerait son nom du mot occitan clafir, signifiant parsemer, remplir, sous-entendu de fruits, comme la cerise bien sûr.
Si le clafoutis se laisse garnir de pommes ou de framboises, le Millard, lui, n'accepte que les cerises. Voilà pourquoi autrefois ce gâteau n'était produit qu'entre la Pentecôte et la Saint-Jean, période de récolte du petit fruit rouge. Pour suivre la recette simple et originale du Millard, il suffit de mélanger un peu de farine avec du beurre. On y ajoutera ensuite des œufs, du sucre en poudre, du lait et enfin des cerises. On les choisira de préférence noires, mais surtout non dénoyautées. Une astuce qui permet d'éviter au jus des cerises d'altérer le moelleux de la pâte, tout en apportant à l'ensemble un subtil goût de kirsch pour encore plus de saveur. De l'assiette à la terre, il n'y a qu'un pas. Dans l'écologie en action, Lionel Pons s'inquiète de la qualité de l'eau et des espèces en danger dans les zones humides du Cézallier. Dans le Cézallier, à la Godivelle, l'accumulation depuis 6 à 7 000 ans de débris végétaux ne se décomposant pas dans les dépressions humides a formé des tourbières, aussi appelées localement sagnes. Lionel Pons, conservateur de la réserve des sagnes de la Godivelle, parcourt régulièrement ces milieux naturels aujourd'hui classés. Ouais, je vais faire un petit prélèvement d'eau. Donc là, c'est dans le cadre d'un suivi de la qualité de l'eau sur les tourbières. On est ici sur un site de référence où on a des eaux très pauvres, assez peu minéralisées. Sur d'autres secteurs, sur d'autres zones de la réserve naturelle, on a des problèmes d'enrichissement des eaux. On a des eaux qui, par les activités humaines en particulier, se sont enrichies et ce problème de pollution de l'eau pose problème pour la conservation de la faune, de la flore typique des tourbières. Si la qualité de l'eau menace aujourd'hui ces milieux, les riverains exploitaient il y a encore un siècle la tourbe de ce site pour se chauffer. Une activité aujourd'hui interdite, tout comme la cueillette ou la chasse. Ces tourbières-là, elles sont aujourd'hui protégées parce qu'elles constituent vraiment un réservoir de biodiversité, un concentré de nature, avec de nombreuses espèces de plantes, d'animaux, qui sont vraiment typiques, spécifiques de ces zones humides. On recense ici pas moins de 400 espèces végétales, pour la plupart capables de vivre les pieds dans l'eau. De nombreuses espèces de plantes à fleurs cohabitent aux côtés de champignons et de mousses. Ces dernières intéressent particulièrement le bryologue Vincent Hugonneau, qui les suit ici depuis une dizaine d'années. Lionel Pons le rejoint aujourd'hui pour l'aider à la préservation d'une espèce en particulier, Mésia triquetra. Donc on prélève où ? Bah ici c'est le mieux, à la marge là tu vois. Ça je vais prélever ce morceau là tu vois, c'est très bien. Mets ta main là, regarde un peu jusqu'où il descend. Il y en a, t'arrives à 100, en fait tout ça c'est du Mésia quoi. Cette petite mousse aux feuilles disposées sur trois rangs était il y a 15 000 ans répandue sur une grande partie de l'Europe de l'Ouest, mais n'a cessé de régresser depuis. De ce véritable témoin du passé, il ne subsiste aujourd'hui qu'une seule population en Auvergne, dans ces tourbières de la Godivelle. On s'intéresse à cette espèce pour des raisons en particulier. D'une part parce qu'elle est rare, donc c'est une espèce qui est qu'on considère comme fortement patrimoniale. Et d'autre part, sa biologie, son écologie indique des milieux qui sont pauvres, avec des eaux qui sont très pures. Donc pour nous, c'est un indicateur en fait, de l'état de santé de la tourbière. C'est pour ça qu'on essaye de la maintenir sur le site. C'est cette touffe donc, que je vais mettre dans un sac et qu'on va prélever et qu'on va réimplanter ailleurs. Ces parties anciennes qui sont noires et qui sont... on a l'impression qu'elles sont mortes. En fait, elles ne sont pas mortes du tout. Et elles sont capables, elles sont capables de régénérer et potentiellement de constituer de nouvelles colonies importantes. Lionel et Vincent prélèvent des échantillons de Mésia triquetra à travers plusieurs points de la tourbière. Ils vont ensuite mélanger ces différentes souches entre elles pour assurer une meilleure diversité génétique des futures colonies et rendre possible leur reproduction à venir. Ils n'ont plus alors qu'à réimplanter ces populations hybridées sur des sites qu'ils ont préalablement dégagés. Ça, c'est une de nos placettes. Ah, c'est pas mal, regarde ça. Tu vois, là, sur les marges, là. Ouais. Bah ouais, c'est bien. On a le choix, on pourrait le mettre soit ici, soit sur cet îlot, et je pense que l'îlot est pas mal.
Là, il y a un côté expérimental, donc on ne sait pas trop, mais là, elle est vivante, donc ça peut aller très vite. Une reprise d'activité peut être très rapide. Par contre, d'ici à ce qu'elle forme des colonies importantes, comme ce qu'on peut observer ailleurs dans le site, il va probablement se passer au moins une dizaine d'années. Après avoir noté avec précision l'emplacement des nouvelles colonies, Lionel et Vincent vont pouvoir suivre l'évolution des populations de Mésia triquetra au fil des années et en apprendre davantage sur le fonctionnement de ces écosystèmes complexes. Il y a aussi un côté un peu exploratoire parce que les mousses, les bryophytes sont quand même des organismes qui sont aujourd'hui mal connus, mal inventoriés, mal aimés peut-être aussi. Et quand on les étudie, c'est souvent quelque chose d'assez intéressant parce qu'on trouve toujours des espèces nouvelles pour une région. On arrive de manière assez facile à contribuer à la connaissance scientifique et ça c'est quelque chose d'extrêmement valorisant, d'extrêmement stimulant. Grâce à une curiosité scientifique partagée, Lionel et Vincent participent ainsi à la préservation de ces milieux emblématiques du Césalier. Et maintenant, voici 4 suggestions pour poursuivre votre découverte du terroir. Au départ d'Église-Neuve d'Entraigues, le Tour des Vaches Rouges est un parcours mythique rendant hommage aux vaches salaires entre les monts du Cantal et les monts du Césalier. Plusieurs boucles sillonnant ces 128 km vous feront voyager dans ces paysages aux faux airs de Mongolie. Non loin de la Godivelle, bourg le moins peuplé du Puy-de-Dôme, se trouvent 2 lacs perchés à plus de 1200 mètres d'altitude. Le lac d'en haut est un cratère d'origine volcanique, alors que celui d'en bas est un lac d'origine glaciaire où la pêche se pratique. Compin est un charmant petit village au cœur du parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Il est composé de différents hameaux, dont Brion, connu pour ses burons et ses 12 foires aux bestiaux entre mai et octobre. Au sommet de la butte, le panorama à 360 degrés offre une vue imprenable. Au départ des gares d'Allanche et Landéra, venez découvrir une ancienne voie ferrée où circulent de drôles d'engins, les vélorails. En glissant sur les rails de la transhumance, parcourez d'avril à octobre différents circuits d'une heure et demie à 5 heures à la rencontre de cascades, petits villages et grands espaces. Pour finir, le chef Guy Martin s'installe en cuisine pour une recette inspirée par le Césalier. Aujourd'hui, je cuisine pour vous un velouté de lentilles, escalope de foie gras poêlé. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 400 g de lentilles, une carotte, un oignon, une gousse d'ail, 2 clous de girofle, 2 branches de thym, une feuille de laurier, 1 litre de fond de volaille, 100 g de crème épaisse, une tranche de pain de mie, 20 g de beurre, un lobe de foie gras de 400 g, huile d'olive, sel fin, fleur de sel et poivre du moulin. Épluchez la carotte et la coupez en brunoise, réservée. Épluchez l'oignon et le ciseler, réservé. Épluchez l'ail, le couper en deux et le dégermer. Dans une cocotte, faire chauffer de l'huile d'olive et faire revenir l'oignon, la carotte et l'ail. Ajoutez les lentilles, puis une branche de thym, le laurier et les clous de girofle. Remuez et versez 1 litre de fond de volaille. Laissez cuire à petite ébullition environ 20 minutes. En fin de cuisson, retirez le thym et le laurier, puis mixez les lentilles. Assaisonnez. Passez au chinois étamine et réservez. Afin d'éviter que les lentilles ne durcissent, il est préférable de les assaisonner au dernier moment. Parez et coupez le pain de mie en petits dés d'environ 3 mm de côté. Les faire colorer dans une poêle avec le beurre et une branche de thym. Retirez la branche de thym et déposez les croûtons sur du papier absorbant. Taillez dans le bloc de foie gras des escalopes d'environ 2 cm d'épaisseur. Trempez le couteau dans de l'eau chaude pour couper plus facilement votre foie gras. Les assaisonnez sur les 2 faces de sel fin et de poivre du moulin. Faire réchauffer le velouté à feu doux en ajoutant la crème. Mettre les escalopes dans une poêle chaude. Laissez 1 minute environ, retourner
et laissez cuire encore une minute. Pour vérifier la cuisson de votre foie gras, tout simplement posez le doigt dessus. Attention, ça peut être chaud, de ne pas vous brûler. La résistance doit être très très faible. En fin de cuisson, réservez les escalopes sur du papier absorbant. Pour le dressage, dans une assiette creuse, mettre le velouté de lentilles et déposer une escalope dessus. Ajoutez de la fleur de sel sur le foie gras et parsemez de croûtons. Décorez de quelques pluches et servir. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.